Et salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve pour l'épisode 33 de Final Fantasy 9. Enfin, j'aurais dû vous le sortir il y a un petit moment, mais bon, il y avait eu la vidéo spéciale 500 abonnés et tout, et puis j'avais pas trop envie de tourner, je sais pas pourquoi, j'étais en train plus de jouer que de tourner, mais bon, voilà, je reprends doucement Final Fantasy 9, vous inquiétez pas, j'abandonne pas, je vais pas abandonner. Hein. Et on était arrivé à Treno et on a eu tous les événements de début du CD3, la reine Grenade va devenir reine, Jidan est un peu désespéré, la princesse est dans son monde et lui dans le sien. Et voilà, il se sentait pas trop bien et on a décidé de se rendre à Treno parce que y a Toto qui veut poser des questions à Echo et Echo lui a dit de si elle pouvait pas aller chez lui. Et donc on est allé à Treno par le passage de la route de la Gorgone. Et Jidan veut participer au tour à carte et donc tout le monde s'est un peu parti éparpillé dans la ville et donc il y a des ATE. Donc ainsi parlait Echo, je l'ai gardé spécialement. Mais j'ai fait une petite sauvegarde rapide pour conserver ce passage là pour pas devoir vous recommencer. Echo, pourquoi t'es pas allé? Pourquoi je suis pas allé avec Jidan, c'est ça? Oui. Ils sont bêtes, ils se comprennent pas l'un l'autre. Quoi? Toi aussi t'es bête. Écoute Bibi, Jidan aime Daga. Comme il est fier, il se dispute tout le temps. Est-ce que tu comprends? Attends, il y a ma manette qui est un peu emmêlée, voilà, c'est bon, c'est mieux. Pas vraiment. Il est fier même avec moi. Ça va pas, c'est ennuyeux ça. Ah, qu'est-ce que c'est? La salle de jeu? Hé, attends! Elle est partie. Hé, hey, je te connais toi. Hein? Et en plus j'ai du coca, bon. On va pouvoir se balader dans la ville. Enfin, un nouvel ATE. Donc comment est-il arrivé dans ce pays? Commencez par ça. Il y en aura pas mal. Dont des ATE vraiment intéressants, surtout celui-là. Je pensais qu'on ne se reverrait jamais. Merci pour l'autre fois. Ce n'était rien. Tu as eu du bol, mon patron était gentil. On laisse pas les gens monter comme ça d'habitude. Tu m'as dit, laisse-moi monter dans l'aéronef et emmenez-moi jusqu'à Alexandrie. C'est vrai, j'ai eu de la chance. Alors c'était comment la pièce, ça t'a plu? Oui. Au fait, il y a eu du vacarme au beau milieu de la pièce. Tu n'as rien eu? C'était pas grave. C'est bien. Maintenant je retourne au boulot. Dis, tu habites près de Treno? Oui, c'est pas loin d'ici. Tu devrais peut-être retourner chez toi. Au revoir. On apprend que Bibi habiterait près de Treno. Mon grand-père est plus là. Si je retourne chez moi. On va y retourner. Je vais retourner chez moi, ça me prendra pas longtemps. Et d'ailleurs, on ira chercher Bibi là-bas. Pour l'instant, je vais voir les autres ATE. Donc. Tout à l'heure, j'ai vu une fille avec un ruban dans les cheveux et un garçon avec un chapeau pointu. Ils avaient vraiment l'air louches. Bah, tant que tu vois pas un mec avec un impair, tout va bien pour toi, petite fille. Parce que si le jour où tu vois un mec avec un gros imperméable, sauve-toi. Donc c'était réflexion au bord de l'eau. Treno n'a pas changé. Merde, je l'ai pas eu! Comment une femme oiseau peut avoir une cervelle? Je vais chercher d'autres poids. Proie. Pardon, pas poids. Et attends un peu, quand on bouscule quelqu'un, on s'excuse. Tu veux le son ou quoi? Tu sais qui je suis au moins? Je ne te connais pas. Comment tu oses me dire ça? Je suis représentant les gens de ce quartier. Mais, j'ai l'impression de te connaître. T'es un rasteur rouge. Qu'est-ce que t'as Tarasque? C'est qui lui? On dirait qu'il avait peur de toi. Ah je vois, tu lui as fait du mal. Mon grand-père disait, c'est les faibles qui cherchent à embêter les plus faibles. Ça ne te regarde pas. Quoi? Il est avec une fillette? Je savais pas qu'il avait le genre de... Oh pardon, allez, je me tire. Il est bizarre. Eh, tu vas où Tarasque? C'est vrai que, voilà. Il est vraiment étrange. C'est vrai qu'on sait pas son vrai nom au gars, les quatre bras, il a plein de noms.
Enfin, moi, je sais c'est quoi son vrai nom, mais je pense que je vous le dirai à un moment ou à un autre, parce que pour découvrir son nom, c'est plutôt long, et c'est un truc vraiment chiant, faut avoir un rang de truc, je sais plus quoi, là. J'ai jamais vraiment compris comment arriver à avoir... avoir tout ça, là, tous ces points. Non, c'est pas là. À pouvoir réussir à débloquer, enfin, le fait de connaître son nom. Mais je le sais, mais... c'est vraiment un truc plutôt long. Est-ce qu'il n'y a pas une langue? Ah, c'est à Kubo. C'est à Kubo que je vais refiler la lettre, mais je l'ai pas vu. Ah ouais, j'aurais peut-être dû aller sur dans le clocher. Ah, il y a une nouvelle bestiole. Ça, ce sera pour l'épisode, un nouvel épisode annexe, bien sûr. Pour l'instant, on va se concentrer. On va aller chercher Bibi. Voilà, au-delà c'est des 7 mers et des 7 et des montagnes. J'ai acheté une statue de griffon en grandeur nature. Vous avez fait un bel achat. Elle doit être belle. Elle est si grande que j'ai dû faire construire une chambre spéciale pour l'exposer. Les frais d'entretien sont aussi très importants. Je cherche une statue de cannibal pour décorer ma salle de réception. Les frais d'entretien sont aussi très importants. Je vous en prie. Ah, c'est pas aussi facile que ça de vivre dans une grande ville. Vous pensez que les gens faisaient que s'amuser? Comment? Comment? Eh, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, mademoiselle. Ah, c'est toi le peureux, je t'ai vu tout à l'heure. Vous êtes sévère. Je ne m'appelle pas le peureux, j'ai un nom bien à moi. Qu'est-ce que tu veux alors, monsieur le peureux? Tout à l'heure, vous parliez d'un jeu amusant, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'on s'amuse bien à traîneau. Vous avez de la chance, je peux vous guider d'entre nous. Mais merci, je peux visiter toute seule. Attendez, attendez un peu. Pourquoi j'ai affaté cette gamine? Si je la prends en otage, Taras viendra la sauver et tombera dans mon piège. Alors je recevrai la récompense sur sa tête et je rendrai célèbre. Au revoir. Ah pardon, vous ne voulez pas manger quelque chose de bon? Quelque chose de bon? Oui, on fait de bons plats, Traîneau. La glace à la trésienne, à la trénienne, pardon. Les pâtes à la sauce melon d'eau. On fait de bons plats, miam. Est-ce qu'on mange bien un traîneau, miam? Vraiment, il y en a plein. Hein? Ah, te voilà, Quina. Faites bon plat, miam. Est-ce qu'on mange bien un traîneau, miam? T'es qui? Je viens manger des bonnes choses, miam. Invite-moi. Pourquoi? Pourquoi j'aurais t'invité à manger? T'es avec Tarask? Est-ce que Tarask l'a fait escorter? Ah, désolé. Donne-moi les bonnes choses. Et surtout c'est étrange. Comment? Il a perdu quelque chose, qu'est-ce que c'est? Brassimera. De toute façon, on a gagné un nouvel objet. C'est où le Brassimera? Ah, peut-être un bracelet, ouais. Inflige des dégâts à l'adversaire en même temps que voler. Alors ouais, c'est pas mal. J'hésite à le mettre parce que... ouais, si je... non, je vais pas le mettre, je vais pas le mettre. Parce que c'est sympa, mais j'ai pas envie de tuer les gens. Oh, ici c'est pour le tournoi de cartes. On s'en occupera une autre fois. J'essaierai de vous expliquer le mieux possible le tournoi de cartes. Hein. Je me balade un peu partout pour débloquer les ATE, je sais plus comment on débloque. Je sais qu'il y a certains ATE qu'on débloque avec le tournoi de cartes. En faisant un combat et après en se barrant. Si je me souviens bien. En tout cas, ça fait plaisir de tourner du FF9, j'ai du coca, donc tout va pour le mieux. Il y a aussi les enchères qu'il faudra que je vous fasse. Ça on s'en occupera plus tard.
On va bien y traîner à Pluto. Oui, à Pluto, oui. Je sais pas pourquoi je dis Pluto. Je sais pas, en mode Disney, là, en mode Kingdom Hearts. Je sais pas pourquoi je parle de Pluto. Oui, qu'est-ce qu'il fout, là Je ne sais point. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Hein. Je ne sais pas. On va quitter Traîneau. Pour aller chez Bibi. Je vous montrerai où c'est. En plus, je crois qu'on peut trouver une pierre... une pierre stellaire. De toute façon, pour les pierres stellaires, je pense que je ferai un montage des épisodes où je la trouve. J'essaie de rechercher tout ça. Ça va être un peu long. À retrouver les bons épisodes et tout. Mais bon, hein, faut bien passer par là pour que vous voyez tous comment les avoir. Ah. Ouais, Claire, elle est vraiment belle. C'est l'ange bleu, je crois. Je sais plus ce que j'ai comme arme, mais je l'ai acheté. Ouais, c'est des 3. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ouais, l'ange bleu. C'est... Qui me permet d'apprendre coffret qui, je vous rappelle, la dernière limite... Enfin, la dernière limite. Enfin, oui, la dernière limite. Mais vu que ça apprend une limite aussi en même temps, mais... Mais c'est la dernière compétence de Jidan. Enfin, compétence de combat, bien sûr. C'est vrai, il y a pas mal de compétences de soutien. Je les avais tous eu dans une partie, les compétences de soutien de Jidan. Et de, je crois que quelques autres personnages, mais c'est vrai que bon, les avoir tous, c'est... En fait, le mieux, c'est d'éviter de revendre des trucs, parce que... Il y a des trucs que vous pouvez pas acheter comme des armes. Alors, c'est pour ça que je vais essayer de garder un maximum de choses. J'ai vendu des petits trucs. Des petits trucs de merde, quoi. Mais c'est vrai que j'essaye surtout de vendre des éthers pour gagner du fric, que de vendre des équipements. Hein, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai pas trop vendu d'équipements. Quelques-uns, mais j'ai vraiment évité. Ah oui, aussi il faudra que j'aille à Dali. Grotte de Quan. Il faudra que j'aille à Dali aussi en épisode bonus. Enfin, je vous préparerai ça, ne vous inquiétez pas. Si j'oublie pas. Ah, j'ai mal avancé sur les chemins comme ça. C'est fou. Ah, il y a un coffre. En tout cas, voilà, j'ai posté la vidéo spéciale 500 abonnés là pour la FAQ, donc ouais, n'hésitez pas à... Si vous n'avez pas encore vu, si vous n'avez pas encore posé de questions, si vous en avez, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Ouais, c'est pas que j'ai 5, c'est que je vais y répondre. Comme ça vous pouvez un peu voir, un peu savoir des trucs. Au cas où vous vous posez des questions, surtout pour l'avenir de la chaîne. Hein. Je pense là, comme on a bien avancé dans les let's play, je commence déjà à réfléchir au suivant. Enfin, je fais toujours comme ça. J'ai toujours une petite idée de ce que je vais faire après. Après, faut voir si ça se précise ou pas. Si vraiment, c'est vraiment ce que je veux faire. De toute façon, franchement, le jour où je suis à court de jeu, c'est, il est pas prêt d'arriver, quoi. Je suis encore... voilà, c'est pas ce que je suis à court de jeu que, voilà, j'arrêterai ma chaîne. Il y aura toujours des jeux à découvrir. Des jeux à faire, si un jour j'ai... Il y a un truc écrit sur le mur, on dirait des marques de croissance. Ça dit, voilà, 6 mois que j'ai trouvé Bibi. Il ne grandit pas bien. Et ouais... je sais plus ce que je disais, mais bon. Mais c'est vrai que là, pour les prochains let's play, enfin, je vous le dirai dans la vidéo FAQ, mais... Mais j'ai déjà une idée un peu plus précise de ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu fais là, Bibi? Jidan, comment as-tu deviné? Et toi, pourquoi t'es venu dans ce trou perdu? C'est là que j'habitais. Hein?
T'habitais à côté de Reno? Avec grand-père. Quand ça c'est que tu vivais avec lui? Enfin, tu vivais là avec lui. Ben... Comme ça, on apprend un peu le passé de Bibi. J'ai faim. Il y a peut-être trop longtemps que je lance mes lignes dans le vide et que je mange rouillard, même. Je ne pourrais jamais m'incarner dans la cuisine éternelle. Oh, c'est bon, miam. Et tu... J'ai été pêché ici. J'avais dû tomber d'un aérocargo, quelque chose comme ça. Je ne pensais pas attraper quelque chose dans la merde au brouillard, miam. Tu vas pas avoir peur, miam. Enfin, il n'y avait pas de miam, mais j'ai sorti, j'étais tellement l'habitude. Il est peut-être combustible, mais il est encore trop petit. Et là, on se rend compte que le, que le grand-père, il voulait bouffer Bibi, quoi, en fait. Il était très gentil, il s'occupait de moi sans en faire trop. Mais c'est un peu comme Hansel et Gretel, la sorcière qui nourrit les gosses pour ensuite les bouffer, quoi. Elle est gentille, hein, on donne de la bouffe et tout, mais après, comme ça, ils sont bien gras, elle veut les bouffer. Là, c'est pareil pour Bibi, quoi. Je vois. On s'en va, Jidan, ça sert à rien de rester ici. On y reviendra un jour ici, vous inquiétez pas. S'il y a un truc à faire. Elle est arrêtée. Elle indique une semaine avant l'enlèvement de Daga. Il y a quelque chose au pied de la falaise. Ça ressemble à de l'écume. Il y a quelque chose et il y a un truc à faire ici. Je sais quoi, bien sûr. On va aller par là avant. Parce que j'ai oublié un truc aussi. C'est ici. Le scorpion. Voilà, on a scorpion. Ah, je sens que je vais regarder pas mal de mes vidéos pour ça, pour retrouver les pierres stellaires, les machins tout menu, pour faire un petit montage. Bon gros montage là, comme j'en fais pas souvent, c'est vrai que je suis pas un mec qui fait beaucoup de montage, mais j'essaie de faire de mon mieux quand j'en fais. C'est vrai que parfois, ça me prend du temps, ça me prend du temps. En fait, moi, je fais pas de montage pour essayer de proposer les vidéos le plus rapidement possible. Je fais juste en rendu et tout. Je fais de bien régler le truc, que ça soit bien, que l'écran soit bien réglé, quoi. Et pour que la qualité soit la meilleure possible, sans forcément, voilà, que ça soit trop moche. On est sur la c'est pixelisé, bien sûr, pour le dire. Vous êtes habitué et Bibi est en transe. Ah, c'est du bien du coca. Des petits monosaures, c'est pas, voilà, c'est des ennemis un peu de merde. Maintenant on est entraîné, quoi. On est au-dessus du niveau 20, quoi. En tout cas, ouais, c'est des trois, ils commencent un peu lentement là, on fait pas grand chose, mais vous inquiétez pas, franchement, c'est vrai que le début c'est des trois est un petit peu long, mais quand ça démarre, c'est lancé, quoi. Ça a tout défoncé, vous allez voir. Là, il va y avoir des passages épiques, voilà, ça va être de la mort qui tue, quoi. Bon, on se fait attaquer par derrière. Attends, voilà, on a fui très rapidement, heureusement. Bon, on revient à traîneau.
sais pas si je suis le tournoi de cartes dans cet épisode là ou non. Alors ça a fait un peu court, mais surtout voilà. Je pense que je vais m'arrêter bientôt, ça va pas être, pour pas que ce soit trop long. Et j'enchaînerai la prochaine fois sur le tournoi de cartes, hein, je pense. Et avec tous les ateliers qui manquent. Je vais faire d'Ali aussi, il faut que j'y retourne. Il y a un truc à faire au début de CD3. Ouais, non, il y a quelques trucs à faire avant de continuer, avant d'avancer véritablement dans le jeu. Mais je pense que pour les épisodes annexes, je vous les proposerai très rapidement. Je vais pas faire un épisode tous les deux jours. Je pense que pour les épisodes annexes, je vais accélérer un peu, surtout quand ils sont courts. Je vais accélérer un peu la publication. Mais c'est vrai qu'au pire, je me dis en fait que je n'utilise pas, mais je pourrais planifier mes vidéos aussi. Hein. Si je les fais, mais après, il faudra que j'en fasse pas mal d'avance. Et après, si je peux les planifier, voilà, je les planifie. C'est vrai que cette option est vraiment pas mal. Il est dommage de ne point l'utiliser. Je regarde un peu les cartes que j'ai pour me préparer au tournoi de cartes là. C'est pas mal. Hein. Bon, je sais pas à quoi correspondent exactement tous les chiffres, mais j'y arrive plutôt bien. Contrairement au jeu de cartes de FF8, où il est pas mal, mais c'est vrai que j'y arrive moins. J'y arrive vraiment moins. S'il y a pas mal de règles, là, c'est un peu plus simplifié. C'est on n'aime pas, il peut faire le triple triade. Mais c'est vrai que la musique du triple triade, elle est énorme en FF8. Mais c'est vrai que je suis pas un spécialiste du triple triade. Le master machin, je sais plus comment il s'appelle, le jeu, j'y arrive un peu mieux. Enfin, vous allez voir. Donc, Notsung, épée Vénus, je l'ai acheté, Partisan, Gungnir, Griff, Amérif, Multimassu. Je vais l'acheter au cas où. Galaxanon, Bâton Béni, je l'ai. Ramiafut, je ne l'ai pas. Paramite. Je rachète des trucs au cas où j'ai un peu d'argent. Parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Non. Putain, j'adore cette musique, quoi. Putain. Ah, j'ai même pas pourquoi je dis des injures, mais... Parce que je suis content. Voilà, c'est comme ça. Je suis content, donc voilà. Bon, je sais que ça peut choquer certains, mais bon. Je suis pas encore trop hard, je suis pas... Donc ça va encore, hein. Je ne sais pas combien on a de minutes. Où est-ce qu'on peut faire je ne sais pas. Non, on va s'arrêter là, C'est un peu court, mais la prochaine fois il y aura plus de trucs que le prochain épisode principal. Après là, je vais faire des petits épisodes annexes. Ah, celui-là sur celui-là. Enfin bon, j'espère que vous aurez apprécié ce... Bon, ça a l'air plus long quand même, je ne sais pas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode numéro 33 de Final Fantasy 9. Donc on n'a pas fait énormément de choses, on a vu quelques ATE, on a eu un peu le passé Bibi. On a récupéré des trucs, voilà, une pierre stellaire, on avait un peu Taras, voilà, des ATE avec Taras, apparemment il est recherché, genre de truc. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode 33, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager, voilà, comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine, voilà, prenez soin de vous.